Non? Si. Ah bon? Oui. Mais vous parlez de l'histoire d'une prise d'otage? Ah, je n'étais pas là ce soir-là, seigneur. Personne, c'est bizarre, l'autre aussi n'était pas là, donc... Ah, c'est possible, hein. Vous savez, on fonctionne pas loulement, avec cartel. Bon, et alors, donc... Vous voulez peut-être des petits mots, hein, vous laissez peut-être des petits mots. Bah, vous savez, je suis pas non plus totalement au courant de toute l'organisation, vous savez, on s'étend de toute l'Amérique du Sud jusqu'ici, hein. Non, vous allez me donner l'identité de l'autre là-bas, là. Allez, j'ai... Je pense qu'il me prend pour un con s'il veut finir vivant. Donc on te dit pas de parler. Ah, c'est qui alors celui-là? Hey, wake up. C'est monsieur Pedro Culoclay. Putain, je peux plus avancer, je suis à découvert. Si j'avance, c'est cet enculé sur la tour, il est en train de me mater. Quoi? Clocky. Bon. Et je peux avoir une preuve? Moi, vous savez qui je suis, maintenant je veux des preuves. Bah, j'ai pas ces papiers sur lui, hein. Je veux dire, là, je peux pas les inventer, ces papiers, Seigneur Le Glon. Parce que moi, s'il y a pas de papiers, s'il y a pas de preuves, moi, je porte mes couilles. S'il veut pas les porter... Je suis d'accord avec vous, mais vous m'avez pas montré vos papiers. Moi, je vous l'ai dit sincèrement, Monsieur Glon. Je vous le dis sincèrement, vous savez, je suis là pour que toute cette situation se termine bien, Odin Nouvelle. Il me semble que pour la prise d'otage, il n'y a pas eu un seul mol de votre côté, hein. De l'autre côté. User left your channel. Vous vous rappelez pas, vous l'avez chopé un, vous l'avez torturé? Ah non, je vous l'ai dit, je n'étais pas là. User joined your channel. Oui, est-ce que vous vraiment voulez qu'on fasse ce que vous lui avez fait? Je pense que vous allez pas apprécier. Racontez-moi les détails. Racontez-moi les détails. Et il s'est passé quoi? Je veux vraiment les détails. Non, je veux juste... Je vais même te les montrer sur ton ami, vu que j'ai l'impression... Non, c'est bon. Comment il s'appelle? C'est pas compliqué, comment il s'appelle? Pedro Cloqué, c'est très loin. Ok, merci. Ceux qui m'entendent bien, transmettez. Oui, on paye, au pire, on s'en fout si on les autorise, c'est uniquement ce qu'on dit. Après, ce qu'on va faire, ce sera différent. On s'en bat les couilles. Bon. Et oui, donc on va payer, mais c'est toi qui va sortir de Channel 7 et qui va aller chercher l'argent. On n'envoie pas de troisième personne, c'est mort. Bon, monsieur Glan. Si, je fais tourner le message. Nous avons pu trouver un compromis. Ah bon? On a pu trouver un compromis. Allez-y. Alors, je veux par contre un engagement de la part de votre mère Lucie. Allez-y. C'est que si vous vous rendez au traitement des LSD, le mieux c'est que vous envoyez un petit SMS, parce que comme ça évite là tout malentendu sur la route. Parce que quand même la route jusqu'au laboratoire, elle est quand même assez longue, hein, Seigneur Le Glon. Hein. Donc pour éviter tout malentendu, vous envoyez un petit SMS. Vous dites que vous y allez, on vous voit passer tranquille, on vous laisse passer. Et en échange, on veut pas d'attaque sur notre territoire du cartel, de votre pal. C'est quoi votre territoire? Notre territoire, vous voyez la ville de Glavia? Oui. Ben vous partez de Glavia et vous allez jusqu'au laboratoire de cocaïne. Voilà, vous faites toute la diagonale et ça va jusqu'à DP2, la hôtel. D'accord, et donc voilà. Là on doit rien faire, c'est ça? Dans ce secteur, qui part de chez nous et qui va chez vous, je suivrai, ça c'est clair. Je vous préviens. Ah, les thugs, je vous invite justement à nous dire leur position là, Seigneur Le Glon. Hein. Ça fera un plaisir également de vous accompagner dans cette petite guerre. Hein. D'accord. Alors, tout ce qu'on demande, c'est que vous envoyez un petit SMS quand vous y allez faire votre traitement, comme ça évite tout problème. Que vous nous disiez combien vous êtes également, hein. S'il n'y a qu'un seul pick-up et qu'on voit tout le pick-up passer, vous doutez bien qu'on va se poser des questions, hein. Ouais, mais bon. Et en échange, on veut pas d'attaque de la part de la Bladva. Je veux pas les putes de je sais pas qui, hein. Je veux un respect mutuel. Ah, moi aussi, c'est ce que nous le cherchons, moi et mes amis. Alors, et en échange, on veut bien sûr aucune attaque de votre pal sur nous, sur notre territoire. Il se le va de soi, je pense, hein. Et ça, y a pas de problème, je vais poser la question. D'accord, et en échange... Vous le lâchez notre ami, on vous donne 2 millions et vous avez le traitement des lésés. Par contre, les 2 millions, Seigneur Le Glon, il va falloir que j'aille les chercher. Hein. Le DAB, le plus plat, l'ATM, oui, c'est loin, le poste là de d'essence. C'est même pas 5 minutes, aller-retour. Allez, voilà. Allez-y. Par contre, attendez, je vais juste vérifier. Il y a un truc que ça. Il est où votre carte et tout ça là? Là, sur le moi. Posez votre carte, ça vous évitera de. De mettre des choses dessus. Voilà, posé. Et toute attaque, hein. L'homme, vous le revoyez plus, hein. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Ah, nous tenons à chacun de nos membres, Seigneur Le Glon. D'accord. Allez-y, on verra.
Un glacias, hein. Les Glingos, il faut commencer à l'assembler l'argent, s'il vous plaît, hein. Parce que moi, je l'ai pas assez, hein. Oh putain, quelqu'un peut lui faire un virement vite fait, moi j'ai pas de véhicule et je suis trop loin. Et moi, si je bouge, je me fais descendre. Idem. Bah, et pourtant, un de vous va devoir faire demi-tour, moi j'ai plus de haillons, j'ai plus rien. Non, mais j'en plains au passage, au pire. Pas plein d'IS. Il est où, Jess? J'aurais pas assez, moi. Non, mais moi j'ai déjà 1 million, mec. Ah, j'ai 1 million aussi. Voilà, au pire, les autres nous remboursons. Rossé. Ah, mais ça fait cher payer, je vois. C'est sûr qu'il est encore en vie, mon frère, c'est rien. Ouais, il est en vie, là. De toute façon, je lui ai dit, en échange, on veut pas d'attaque de votre part sur le territoire. Et également, si vous venez faire du LSD, il faut que vous nous envoyez un SMS, sinon on tuera tout véhicule qui s'approchera. Non, mais on s'en fout, les gars, on s'en fout, ça va détouer, c'est pas un problème. Mais oui, je lui ai dit déjà, il a dit d'accord, c'est bon, ok. Il a dit qu'il enverra des SMS et tout. Il y a une différence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Il faut se mettre ça dans la tête. Oh, je crois que le qui me le regarde, il va être poté avec les... Non, mais vous êtes tous potés, au fait, hein. Jess, va à l'endroit où il y avait la voiture tout à l'heure. Je te récupère là-bas. Ah, ouais, putain. Si, je descends. Qu'est-ce qui se passe? T'as dit qu'il m'avait spoté à moi? En tout cas, il y en a deux ou trois d'entre vous qui sont spot, c'est sûr. Le sniper, il est spot, c'est sûr aussi. Ouais, le sniper, l'autre chose, il est mort, donc il est spot. Et Jess, peut-être, je pense. Ouais, Jess, je pense. Je pense pas, hein. Parce que moi personnellement je suis derrière le logis, pas vous tout à l'heure, et il n'y a pas personne qui m'a vu, hein. Pas l'hélicoptère peut-être, mais... Seigneur Le Glon, vous me le savez? Oui. Oui, je sais pas si vos hommes m'ont vu, mais je me suis plié un albuste, hein. Ici, il pique beaucoup, okay, les albustes. Okay. J'ai clevé les deux pneus avant, je suis en train de les parler, hein. Ok, on attend. Glacias, hein. Ah mec, j'ai plus rien, je suis à 42 000, je suis ruiné. Ouais. Non, retire 999. Ils tireront pas sur un tacos. Oui, c'est ce que nous souhaitons, Seigneur Le Glon. Et vous ne tirez pas sur un Ruskov, hein, comme vous dites si bien. Ah, nous, hein, on vous appelle les Chapka, on vous appelle pas Ruskov, hein. Oui. Et au fait, Seigneur Le Glon, j'ai une question à vous poser. Oui. Est-ce que c'est un de vos hommes qui a rendu fou mon ami Yalsoal? Ah, peut-être, hein, je ne sais pas. C'est bon, on se casse. Au courant de tout ce qui se passe dedans, moi. Ouais. En même temps, il a voulu jouer, et après, il a gueulé quand il y avait les gendarmes. On n'a pas tout compris. C'est ce que je sais. Après ce qui s'est passé, je suis pas au courant. Ah, très bien, mais je me le mets en loot, hein. Oui, après, en même temps, vous en avez envoyé un de chez moi dans une zone de chasse, et puis vous l'avez fait marcher presque 20 km. Ouais, mais sauf que lui, on l'a pas menacé avec un flingue quand il marchait ses 20 km, hein. Ah bon? Parce qu'on a menacé quelqu'un? Ben, votre homme, il a quand même un gros fusil pointé sur la tête de mon ami, hein. Quand ça? Là, oui, à l'instant, oui, à l'instant. Mais parce qu'on prend des précautions, hein. On commence à vous connaître, hein. Et si on les laissait, tu donnais 2 millions? Je pense que vous ne faites pas confiance, ça peut se passer autrement. Moi, j'ai fait les premiers pas, je pense, hein. Oui, en effet, c'est juste que j'aimerais qu'il n'y ait pas d'attaque de votre pal appelé sur le cartel. Hein. Bah, vous connaissez pas la parole d'un russe. Je pense que vous allez la traiter avec un russe, hein. J'espère que la parole est totale, Seigneur. Ah, oui, si vous de votre côté, l'Arcagos, vous attaquez personne, vous nous attaquez pas, on viendra pour vous faire chier et on pourra se rencontrer sans problème. Je sais pas qui c'est. Je sais pas, franchement. C'est quoi ça? Alors là, je vous le jure, même sur la tête de El Chapo, je n'ai rien à voir là. Qu'est-ce qui me lance là, ce tolo du cul? Qu'est-ce que vous faites ici, messieurs les gendarmes? Rien du tout, avec les conneries. Putain. Bah oui, on voit rien du tout.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que vous foutez ici? Bien bon, je vais récupérer des trucs mais j'y viens, monsieur Glon. Hein. Je suis accompagné avec monsieur le président Robert Ducreux. L'un de nos amis communs, effectivement, nous envoyait un petit message. Nous disons que c'est ici qu'il y avait une réunion. Bon, le vous envoyez un message. Seigneur Le Glon. D'ailleurs, il doit être présent. Il y a un de vos hommes qui m'appelait mes JVN. J'aime les récupérer par le contre, ça coûte cher. Allez voir. Bon, quelqu'un vous a envoyé un message. Qui ça, oui. Moi, je ne sais pas. Chaque fois, il envoie toujours les mêmes numéros prépayés. En plus, l'écriture très approximative. Bon, on va peut-être nous montrer que c'est des migrants. On va rentrer à l'intérieur. Alors, ensemble, du coup, on va aller s'asseoir avec tout le monde. Comment ça se fait que vous avez reçu un message? Expliquez-moi un peu. Ouais. Regardez ce véhicule de contrebande. Je ne sais pas déclaré. Eh, maréchal de Lickman, qui c'est qui vous a envoyé le SMS? Une réunion économique très importante là sur le site de Channel 7. Ouais. Et nous ne sommes pas conviés. Alors, apparemment, qu'est-ce que c'est que ça? Personne ne nous a sollicité. Attends, de Lickman. De Lickman, tu te fous vraiment de moi? Tu vas me faire croire que le maréchal et le président viennent tous les deux tout seuls? On a jamais dit qu'on était seuls. Ah putain, ces enfoirés. J'ai qu'à envoyer un message. On vient ce soir autour de la table, monsieur. Ouais, seigneur. Mon avis, toi, c'est d'origine mexicaine, celui-là. Si, à ce qu'il paraît, on est comme les bougnoules. C'est les druides, c'est ça. On dirait comme les bougnoules. Ah, mais c'est l'autre de Talure, là. Non. Ce sont des vents qui me sont enlementés, seigneur. Ouais, parce que l'autre, comment ils s'appellent? Ils s'appellent tous Paris, c'est comme les Arabes. Ils s'appellent tous Jiménez, Guadrado, là, on ne sait plus comment ils s'appellent, ceux-là. C'est eux, les druides, c'est ça? Solombert. Non, ça, c'est pas les druides, ça, c'est les. C'est ceux là qui. C'est le gang de Mexicains là qui vient kidnapper toutes les personnes hispaniques devant leur aéroport. Il y a des forces à prendre des recueils et des foutes la merde. Et on les encule dans les pick-up. C'est bien ce qui me semblait, il y avait bien des actes sexuels hein, donc vous le reconnaissez. Vous savez que c'est très grave, je risque même peut-être de vous mettre en état de confusion. Et on vous invite là. Ouais, on s'y retrouve à la fin. Bon, on va voir, peut-être qu'il est temps de payer ses impôts en somme. Moi je dis ça comme ça, je voudrais pas forcer la main non. Et vous voulez quoi, vous cherchez? Réunion de la plus haute importance. Mais pourquoi vous seriez invité, seigneur? Pourquoi pas? Vous pensez que vous pouvez venir faire votre... On va dire quand même qu'on est un peu en tension avec les costumes bleus, hein. Avec les bleus bits. Oh, moi je suis surtout en tension actuellement avec ces chiens de droïdes. Des enfants de solo. C'est un point que nous avons en commun, alors là. Qui souhaitent foutre le bordel sur mon île, hein, mais ceux qui sont là pour... On n'est pas là pour foutre le bordel, on est là pour vous donner de l'argent. Je le sais bien, sinon nous n'aurions pas... Alors, nous serons deux aimerions tout d'abord, afin d'être au courant de tout. Savoir de quelle nature est votre accord entre Gazprom, en somme, et de ne pas vous montrer la petite carte. Les druides s'invitent à la fête, hein, je pense que vous avez... Ah bon? Les droïdes s'invitent. Seigneur de Lickman, qu'est-ce que vous avez fait? Les droïdes s'invitent. Moi qui vous demande ce que vous avez fait, messieurs. Oui. Vous êtes plus malin avec moi. Nous savons les relations. Vous allez me faire croire que les druides sont venus ici comme ça par hasard. Vous savez très bien que la Gazprom. Vous savez très bien que le cartel est en guerre actuellement avec les druides et vous savez très bien que la Bladva également est en guerre. Ces chiens se prostituent auprès de tout le monde. Aujourd'hui, ils sont prêts à être vos putes. Mais avant, ils étaient la pute de qui, monsieur Ogron? Ils étaient la pute des druides. Ils étaient sur la fistinie. Protégez-moi, vous là. Peut-être, mais en plus, ces mexicains. Moi, je n'ai pas confiance non plus en ce mexicain là, qui remet ses copains druides comme par hasard quand il voit que. Non. Et là, les druides arrivent. Oui, c'est ça, mes copains druides, oui. On a buté deux d'entre eux et vous allez me faire croire que c'est mes copains. Vous avez buté deux d'entre eux, qu'est-ce qu'il leur faut? Sortir un joujou, moi aussi je peux t'en sortir un. Après vous. Hola, seigneur. Bonjour, messieurs. C'est votre arme. Alors. Putain. Écoute, je vais te poser une question qui va déterminer ta vie. Ouais, si tu les ponds. Tu nous as mis une carotte, enfoiré. Hein. Ah, voilà, bah, il a bien répondu à la question. Ils se considèrent comme des ennemis alors qu'ils sont amis. Ils sont en train de jouer une immense mascarade devant nous. Et ça, ça n'arrive pas, bande d'enfants de salauds. Messieurs, les armes derrière. Comment on a pas meurtre? Messieurs, les armes derrière. Bravo, Gino. Je vois que vous êtes invité à la fête. Je ne sais pas comment vous êtes venu. Oui, il va falloir nous expliquer.
Apparemment, aujourd'hui, c'est la représentation théâtrale. Cartel et les druides font une grande histoire d'amour. Voyons. Ah, et vous êtes l'arbitre, c'est ça? Et dès qu'on va sortir d'ici, vous allez envoyer vos bleus bits nous buter tous. Et là, bien évidemment, le journal Mondavia, qui est une propagande gouvernementale, va se faire un plaisir, monsieur de Lickman, à nettoyer l'île. Ça, c'est vrai que ce serait jourdi, hein. Oui, oui, oui. Il a grillé notre plan, on est foutu. Oh, pauvre Myrthe. C'est quoi le plan B déjà? Bouton rouge, ouais, bouton rouge, ok. De solo. Attendez, c'est vrai que Nikkei, le Kaltel, la Bladva et les druides dans la même soirée, c'est quand même beau, hein, comme chapitre, hein, monsieur de Lickman. Hein. C'est très beau. Ouais, ouais, ouais. C'est peut-être vous qui nous avez tous User left your channel. Ouais, vous cherchez de l'argent, c'est ça, hein. Je ne crois pas que ces hommes-là sont prêts à financer quoi que ce soit. Monsieur de Lickman, le fruit de l'immigration réussite. Regardez, elle est réunie. Effectivement, ce n'est pas la plus réussie des immigrations, en tout cas nous sommes là pour y convenir. Ah bon ? Tout à fait. On va dire qu'à l'heure actuelle des choses, et dans la configuration actuelle, ce n'est pas forcément... Franchement, si tu peux, je peux la mettre ici, et après ça va être le bordel, ils vont devoir s'expliquer, mais il faut juste que vous ayez de mal. Je pense que le Bradva réunit ici, si je ne me trompe pas, le cartel réunit ici, ainsi que l'entièreté des Toata des Danan, avons un financement et une économie florissante, n'est-ce pas? C'est exactement ce que je voulais en venir, mais ça ne concerne pas rien. Il y a une partie qui est dérangée par cette économie, et que ce devrions nous alors qui devrions vous éradiquer, afin que l'économie continue dans le sens où il nous remplit les poches actuellement. Car c'est sauf que vous savez bien que ça ne se passe pas comme ça, voyons. Oui, mais si on trouve tous une entente, peut-être que le jour viendra. Je ne suis pas certain, monsieur le druide, que vous soyez là pour servir les intérêts du pays. Il faut plus d'infos là. Regardez la carte. Nous avons un projet et nous allons bientôt aller l'inaugurer dans une petite semaine de raser complètement la petite ville de l'Abdera. La gendarmerie, c'est vraiment pas un problème. Regardez, nous avons vu qu'il y a un petit bassin qui a été asséché. Juste à côté d'Obdéon, ce qui ferait... Disons que le débit est faible, mais au bout d'un moment, ça finit par belle centrale, le lieu idéal. Qu'est-ce que vous en pensez, en somme? Je pense que c'est un projet... Si tu veux. C'est un projet qui est complètement intéressant, et pour vous faire part du mien, j'avais prévu d'incendier la petite île du complexe gouvernemental, où la nature ne pousse pas, afin de voir les plantations et les arbres. Ah. Une terre brûlée fait renaître de ses cendres une forêt bien plus luxuriante. Bien entendu. Après, si vous voulez, c'est se mettre à dos le peuple. Permettez-moi. Oui, mais monsieur de Lickman, vous savez très bien que toute la gendarmerie face à Trois Groupes Télolis, c'est inefficace. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que monsieur Ogron, il est plus dans ses intérêts de se mettre en face avec le gouvernement du fait de l'entreprise florichante qu'il est en train de développer au niveau de Gazprom. Mais faut pas qu'il abuse, je pense. Oui, vous demandez tout de même 75% de nos ressources illégales. Ils sont tout à l'heure, je ne sais pas. Ah oui, 75%. Ah oui. Ils sont pas malins. 30%. Hein? Qui est-ce qui va leur donner? Ah, c'est passé à 30% maintenant? On va voir s'ils ont bien donné 75%. Non, c'est bon, c'est bon. 40% et je dépasserai pas plus de 40%. Nous irons. Je pense que là. Ouais, en effet. Ça aussi, toi. Allez. Bah, discussion de pute, de toute façon, oui, c'est pareil. Enfin, bref. C'est des gens, il a une chance. Chacun de son côté, quoi. Oh, messieurs, alors, vous avez réfléchi de votre côté à combien vous bloquez la taxe? Nous avons une dernière contre-proposition à vous faire avant d'entendre la vôtre. C'est des 50% et on veut le mexicain. T'es un comique, toi. Bon, entendez bien, messieurs, en tout cas, vous acceptez ou vous acceptez pas? Je viens de vous dire que vous pouvez vous le mettre dans votre contrat. Ah, je peux me le mettre dans le cul, d'accord. Allez, au revoir, seigneur, hein. Nous proposions 60. Soyez heureux que vous soyez vivant encore. Ça sort. Ouais, on s'en va. On va pas faire des choses en dehors de l'homme, en somme. Tu peux tirer ou pas? Sans doute, monsieur Agron, c'est un plaisir de vous rencontrer. Pas de plus. Dis-moi quand t'es hors de la zone. C'est quoi, il me serait sur Gazprom, mais permettez-moi de vous dire, monsieur Agron, que je vais vous convoquer demain, à mon avis, pour vos activités. Il semblerait. Ouais. Tumultueuse, oui, ce sont des menaces, monsieur de Lickman. Des décisions que allez, paletez avant qu'on vous abatte, messieurs. Ne faites pas des menaces. Casse-toi. Bizarre. Quand on sait pas écrire des textos correctement, sans. Oui, surtout que j'écris pas de textos. Oui, c'est ça, gringo. Ouais. Gringo, t'as un visuel, quelque chose?
Je me doute qu'ils sont rangés, ils s'en ils vont là, les deux touloufiants là. Merde, moi j'ai pas fait de la merde en parlant radio. Vite. Je fais changer les radios parce que je pense qu'il y en a qui vont être plus tard. On change de radio, messieurs. Ah putain! Allez. Va falloir se barrer vite, tu t'es resté. Ouais. Il y a le HMG qui va se barrer. Et le HMG risque d'arriver, les gars. User left your channel.